Et salut tout le monde, bienvenue dans le squat. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite et peut-être la fin de Link de Zelda, de The Legend of Zelda de Missing Link. On s'était arrêté après s'être fait momentanément poutrer et on était retombé au tout début du donjon. Donc on va juste refaire le chemin inverse et puis on va continuer le donjon. On en était pas trop. Je pense qu'on n'était pas trop loin de la fin. Enfin bon, on va voir. Je fais 2-3 réglages, voir si tout va bien. Ça a l'air d'être bon, a priori. Donc, c'est parti. Ok, bon, alors, ok, c'est bon, les touches, c'est bon. Ok. Alors. Donc, on avait un petit peu réussi à se dépêtrer de ce Méli-Mélo. Ah bah tiens. Voilà. Ah, c'est parfait. Ah, elles sont cool les musiques. On finit par bien les intégrer, je trouve. Comme si c'était voilà, dans le jeu de base. Alors du coup, on continue. J'essaie de récupérer un peu de vie. Et on va essayer de se faire ce Staphos. Il me semble que c'était sur ça qu'on était tombé. Sinon, c'est pas grave, on va quand même le tuer. Je sais plus exactement. Fallait passer par le pont. Ah, ça a tout désactivé. Ah, c'est chiant ça. Du coup, c'était par où déjà? J'ai un trou de mémoire. On va zapper de façon au pire au montage. Si c'est trop long, il faut repasser par la salle avec le grand tronc d'arbre. Bon, déjà, ça je vais pas capter encore plus en laser. Je suppose qu'il doit y avoir une porte cachée. Alors là, ouais, par contre, c'est vrai que je sais pas, mais il doit y avoir un objet spécial à découvrir. Après, peut-être que j'ai dit que c'était la dernière partie, mais peut-être que pas du tout. Voilà. Bon, bah, comme quoi, des fois, il faut s'écouter. Et là, la bête lapinesque. Ah. Ça arrive. Oups, mauvaise touche. De toute façon, il y a... Au pire, on fait ça comme ça. C'est qu'il doit être profilé de telle façon qu'on s'en rend pas compte de ce point de vue-là, sûrement. Alors, oui, non. Ah ouais, en fait, c'était juste ça. Tout simplement. Après, celui-là, ça va. Et celui-là, ça va. Hop. À la limite, qu'on se casse la gueule ou pas, c'est pas très grave. Il reste... Ah bah si, parce qu'il... non, c'est bon, il est activé. Ok, donc très bien. Alors, on continue. Et... Ah mais, décidément, il veut pas travailler. Bon, en plus, on n'a pas la boussole, parce qu'on a trouvé la carte, mais on n'a pas de boussole. Donc, normalement, c'était par là qu'on s'était fait laminer. Ouais, mais là, je me reviens plutôt des... J'aurais bien voulu des cœurs, en fait. Bon, il va falloir être fin et intelligent. Ah bah j'avais bien besoin de rubis là tout de suite. Ah non, c'était pas là. Bon d'accord. C'était pas là. Ok. J'ai rebondi.
rebondis sur un mur invisible. Ok, là c'est très con ce qu'il va faire parce que ça aurait pu revenir sur moi. Bon, j'ai fait le taf. Ah ben voilà, parfait. Plutôt que de retourner directement sur cette fosse, on va aller là puisqu'on l'a noté. Je suppose que le coffre est quand même important. Ah bah tiens, le coffre. Bah voilà. Quelle est donc cette mystérieuse chose qui est à l'intérieur? Une boussole? Bon, là, oui, c'est une boussole. Vous avez trouvé la glace, le magique sablier. On va appeler ça un sablier parce que ça ressemble à un sablier. Le sablier du temps, hourglass. Sinon, littéralement, ce serait le magique hourglass, le verbe de l'heure. Bon, on va dire le sablier du temps, ça passe mieux. Ok, donc très bien, on a cet objet qui nous manquait. Alors, ça va être sympa. Qu'est-ce que c'est tout ça? On a trouvé le sablier du temps. Alors, quand on l'active, ça va faire un truc temporel. Ok, ouais, donc c'est là, ça nous fait faire un bond dans le passé. Ok. Alors si je saute là, ça réouvre et on active ça. Oh ouais, j'ai rien compris, mais bon. Bah c'est bien ça. Ouais, mais je crois que j'ai foiré, non? Comment qu'on fait? Ok, donc en faisant ça, ça l'active et on est dehors, c'est ça? Ok, j'ai capté. Là, si je fais ça, ça va pas me remonter là-haut. Ça va me remonter pas là-haut. Ok, alors du coup. Il faut que je sois. Ouais, c'est ce que je voulais. Faut que je monte. Quand ça c'est terminé, en gros, je monte. Après, est-ce que je vais vers la porte ou pas? On va voir d'abord en sortant du puits. On sort du puits, on saute dans le truc. Et normalement, en remontant le temps, on devrait être dehors et activer le bouton. Là, je suis là. On va attendre un peu là. 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Donc là, normalement, je saute. Non, c'est pas ça. On est là. Et là, je remonte le temps. Je devrais être dehors. Et tout va bien. Voilà. Ok. Ok. D'accord. Ça a sûrement son importance. Ça peut avoir aussi son utilité si on a de l'autre crevé, je suppose. Donc là, on commence à avoir fait le tour de ce côté-là. Ah, du coup, pour les interrupteurs, pardon. Il faut tracer de ouf, alors.
Ah oui, j'avoue, mais pour aller au sous-sol, faut être hyper rapide. Mais quoi, sans déconner? Stalfos, oui, bon, je dis Stalfos, c'est super rapide. Alors, le rythme. Voilà. C'était tout bête, fallait juste mettre les oreilles de lapin, fallait le défoncer. Bon, bah voilà, c'était pas si compliqué. J'ai dû vraiment être à deux doigts de le tuer plusieurs fois. Et on a la boussole, on la revite. Oh, on a une clé. Bon, bah voilà, on a une clé. Du coup, maintenant, on a exploré tout en haut. Et il ne reste plus que le sous-sol, donc c'est bien ça. Donc, on a bien fait d'insister sur le self-pose parce qu'on aurait besoin de cette clé de toute façon. Donc là, on peut redescendre. Il avait fallu une demi-heure pour s'en débarrasser sans déconner. C'est parti. On va retourner au sous-sol pour utiliser cette petite bidouillerie temporelle. Non, toujours pas de ce côté-là. Ah non, mais ça va rentrer. Hein. Ouais, je crois que si, c'est peut-être long. Alors, du coup, il faut que j'aille désactiver le sablier là-bas. Donc on va avoir besoin des oreilles de lapin. Non, mais c'est une habitude à prendre. C'est toujours pas là. Ah bah, viens. Hein. Ça, je peux pas, non. Et s'il y a que là, on va pouvoir étendre. Alors du coup c'est par là, on va aller récupérer, bah rien du tout, on va juste changer la couleur ici du bousin là. Alors du coup, bon dis donc, je m'attendais pas. Ok. Donc ça c'est fait.
j'espère en tout cas. Les sous-sols, du coup, ceux-là. Parce qu'on peut pas rentrer sinon, donc non, c'est pas là. Alors, comment on fait pour accéder par contre là-haut? Je sais pas encore. Alors là, en gros, si je me bourrine comme un fou. Au pire, on s'en fout, mais on peut essayer. Non, pas trop non plus, pas exagéré. Ah ouais, c'est si court que ça. Waouh. Vraiment enchaîner quoi. Le plus simple du coup ce serait de... Bon, en fait on va faire comme tout à l'heure déjà. Mais c'est censé avoir son utilité hein. Ok donc... De toute façon là c'est pas très... pas très grave. Donc là si je redescends... Si je me mets là... Que je bourrine, normalement c'est bon. Ou alors on peut juste faire comme tout à l'heure, on se cache ici. C'est le plus simple. Déjà, on va faire ça. Non, c'est intérieur. Parce que là, on peut passer. Normalement, le but. Non, là, ça, on peut y aller directement. C'est pas évident. Hein. Que là il y a l'espèce de... Ah bah peut-être que ça a rien à voir. Parce que ça c'est juste... Ah mais non en fait on y a déjà été... Ouais. Je pensais que c'était là l'entrée du souterrain. C'est pas là. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est l'entrée du souterrain? Donc le point commun qu'on a entre toutes ces salles c'est quoi? C'est curieux, il y a forcément une solution, mais je sais pas. Ok, donc c'était pas ça. Ah, bah c'est pas évident. Hein. Un endroit. Moi, j'étais persuadé depuis le tout début du donjon qu'il fallait retourner ici. En fait, non. Ah ouais, là par contre je me retrouve bien bloqué. Du coup je regarde jamais de... J'ai pas regardé de Solus, hein. Je me suis un tout petit peu spoilé au tout début parce que j'ai regardé quelques minutes de let's play du créateur et... Enfin de quelques commentaires plutôt du créateur sur la vidéo. Mais j'ai pas regardé de vidéo sur... en entier. Sur tout le jeu. Bah, peut-être que c'est les piliers qu'on a vus là. Comment est-ce qu'on peut avancer? Côté, on s'en fout, hein, mais bon. Quand même loupé alors qu'il est à côté. Non. Alors, où est-ce que c'est que cette chose? Donc là, il n'y a plus rien. C'est très frustrant en même temps, mais... Il y a
une clé, donc il y avait une porte que j'ai forcément pas ouverte, ce serait où? C'est nul, c'est nul. Peut-être qu'il faut les tuer, tuer toutes les chaussures. Ah, ou alors il faut se laisser. Bah non. Je me suis dit, il faut se laisser tomber. Bah non, ça marche pas. Parce que là, on sait qu'il y a des piliers, mais. Je sais même pas comment on fait pour y aller. Il y a une liane là. Peut-être un moyen de redescendre d'en haut. Que ça. Ouais. Bien un passage. Comment on fait? Bah ouais, il faut monter et redescendre, il y a forcément un truc. Mais... monter et trouver un truc. Telle est la notre mission. Et a priori, c'est pas là. Où est-ce qu'on pourrait redescendre? Ouais, puis c'est quand même bizarre. Et puis j'ai pas non plus. Bah, après, il y a l'espèce de. Il y a la salle, là, la fameuse salle que j'ai pas réussi à. Ah bah peut-être que maintenant ça marche pas, je sais pas. Parce qu'il y a une salle que j'ai pas réussi à débloquer, donc on peut essayer. C'est là, alors ici il y a un truc. Alors comment on fait? Ah bah oui, en fait si c'est tout bête. Alors, ça m'explique pas tout non plus, mais je suppose que ça marcherait. Si je me tiens ici, que j'attends, que ensuite j'attrape ce truc et que je me téléporte après, je devrais être de l'autre côté, on est d'accord? Une partie du mystère. J'aurais bien voulu quand même collectionner quelques petits masques dans celui-là. Ah. Oups. Ok. Voilà. Oh, ça paye pas de mine. Après, ça veut pas dire qu'on sait ce qu'il faut faire après. Alors, on est là. Ah ouais, ok, donc là il vaut mieux que je redescende, je vais le pousser à fond. Et normalement en sautant je devrais pouvoir y arriver. Faut que j'aille dessus et que je ressaute sur les Yann en face. Alors on essaye, c'est parti. Alors hop, donc est-ce que c'est bien ou pas que les oreilles de lapin? Ok, a priori c'est ça. Ok, cool. Et là on a la clé du boss, je suppose. La boussole.
clé du boss. Ah ouais, mais j'ai toujours pas trouvé l'entrée de la clé du boss en fait. J'avais pas une petite, un petit truc, une petite indice. Bref, ça m'emmerde, mais je vais quand même aller. Je vais regarder, je vais. Ça va me prendre trop de temps sinon. Deviner ce qu'il fallait faire. Non, c'est pas ça. Après, non, bah non. Il y a des lianes un peu partout, c'est sûr. Comment on fait pour aller dans la salle principale au niveau des plateformes? C'est tout simplement qu'il faut tuer toutes les chauves-souris dans la salle principale. Et ça activerait un truc. Alors lui. Non. Ici, on est d'accord qu'il n'y a aucun passage, il n'y a aucun moyen de tomber, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de liane, je ne peux rien faire. Donc, ce serait peut-être pendant la descente, ce serait trop rapide. Et ouais, bah, on peut toujours essayer de se farcir les chauves-souris. Hein. Pas trop non plus. Non, ah dommage. J'ai cru. Peut-être que c'est juste décoratif, mais c'est quand même chelou. Il y a un truc ici. Il y a deux plateformes et tout là. Non, peut-être que c'est juste décoratif. Je suis curieux de savoir comment on fait. À moins qu'on puisse descendre avec l'ascenseur, mais il n'y a pas d'axe en dessous. Il y aurait une serrure que j'ai pas vue. Ouais, je pense que je vais aller regarder. Parce que là, je sais pas, je suis bloqué. Alors, il y avait quelque chose que j'avais pensé, effectivement. Quelque chose auquel j'avais pensé.
parce que le seul ascenseur qu'on ait, parce que j'étais en train de me dire, justement, l'ascenseur monte mais descend pas, mais justement, pour pouvoir descendre, il faut être à l'endroit où était censé être l'ascenseur, donc du coup, et là intervient le sablier. Et du coup, voilà, bon, ça a été long à trouver. Mais du coup, je sais pas pourquoi j'avais pas eu le déclic, j'y avais pensé, mais je me suis dit, bah non, l'ascenseur descend pas. Mais du coup, j'ai un peu farfouillé et j'ai trouvé la solution sur une solution. Je suis un peu deg de pas l'avoir trouvé moi-même, mais bon, ça me réconforte de me dire que j'y avais quand même un peu pensé, voilà. Donc, tout simplement, on fait ça et on descend. Voilà. Ah, c'est tout bête, hein, mais comme quoi, c'est tout bête, mais il faut y penser. Mais j'étais pas loin, je me disais, bon, le seul axe qu'on ait pour descendre, a priori, c'est un ascenseur, et l'ascenseur, bon, bah, il ne fait que monter. Et en l'occurrence, c'est pour ça qu'on a ça, je suppose que ça nous remet sur le pilier qu'il y a au niveau bah voilà, tout simplement. Et voilà, bon, bah voilà, ouais, quand même. On était quand même proche de la solution. Bon, ça va. On va continuer gentiment. Alors, on vérifie juste que tout fonctionne. Bon, le micro est pas très fort depuis le début. Faut mettre le son assez fort. Je suis bien conscient de tout ça. Laissez-moi le temps d'investir. On aura sans doute quelque chose de plus qualitatif avec le temps. Alors, on continue. Ah, ouais, on arrive directement sur un boss. Ah, ouais, c'est ces petites saletés là. Ouais, c'est vraiment les choses qu'on n'aime pas trop en général. Hein. Ah, non, 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 ça c'est pas cool du tout. Ah, elles sont immortelles comme ça. Voilà, là. Bah non, mais. Ok. Ah oui, il y en a d'autres. Ah oui, ok. Non, mais ça va, c'est sympa. Ah, ok. Bon, on va peut-être trouver de la vie, hein. Sinon, mais juste ça comme ça. Ah, par contre, les attaques circulaires, je galère à les enchaîner là-dessus. Putain. Ah non, mais sans déconner. Bon, bah, je me suis fait défoncer. Ouais. Bah oui, parce qu'il me manque un quart de cœur pour avoir un quart en plus. Non. Oui. C'était intelligent en tout cas cette histoire. Bien vu. Alors, on va falloir que je me concentre sur une main à la fois. Ok, allez, on est parti. C'est un peu mon pied, non? Ok, bon, ça marche pas. Ok, ça c'est fait. Ah, mais sans aide, lâche-moi. Alors, on va y arriver. Tout est question de patience. Un peu de vie sur la route. Bon, bah, c'est chiant, mais. Hein? Voilà. Ah,
Ah non, on tape une merde. Ah non, mais non. Non, mais laissez-moi, écoutez-moi la paix de seconde. Allez, putain. Ah, c'est abusé. Allez, on reprend. C'est parti. Bourriner, tout ce que je connais, ouais. Ah ouais, merde. Faut bien les taper plusieurs fois, et ça passe. Allez, 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 c'est bon, ça passe. Non mais, fais pas le con. Ah, c'est bien que t'as vu. Se déchaîne. Allez, allez, accasse-toi. Je cherchais de la vie. Et voilà. Non, allez. Voilà. Ça c'est bon. Pour ça vaut mieux avoir la vie à fond. Ça permet d'enchaîner les attaques à distance. Il nous en reste plus qu'une. Ok. Ok. Ah non, il en reste une. Voilà, on a une petite clé et on va pouvoir accéder bientôt à la salle du boss. Ok. Ça c'est la tuile. Il manque une clé. Ok. Le système, ça va. Alors, on va pareil, je suppose qu'il faut un peu bidouiller. Hein. Thank you.
Ok, bon, c'est pas mieux. Pas ouf, hein. Ok. Ah merde, c'était bien, mais c'était pas ça. Après, on peut toujours bidouiller en faisant la même chose, hein. On fait ça, on se met là. J'avoue que je vois pas. Ah bah on saute, tout simplement. Donc là, mais faut pas se foirer, quoi. Abusé. Oh merde. Bon bah on recommence. Allez. Du coup. Ça va me saouler, ça. Bon, bah, on recommence. Allez. 1, 2, 3, 4. Ok. Voir, mais je pense pas que ça passe. Alors, si ça passe, c'est vraiment à la. Oh, ouais, bah, pas de bol, ça passe pas du tout. Alors. Ah, ça c'est réglé.
c'est pas grave ça. Je vais un petit peu perdre la vie. Ok. On va essayer de se s'aligner un max. Ok, ça passe. Ensuite, bah ouais, c'est le dernier qui donne une clé du coup. Le démon a transformé. En gros, la transformation du démon a mal tourné. Et quelques fées se sont échappées profondément dans la forêt, quoi, dans les bois. Peut-être que ton ami l'a fait aussi. Bon, bref, qu'est-ce que t'attends? Prends cette clé et arrête-le. On va sauvegarder parce que là, c'est quand même con. Con, reste la merde. Ok. Plus que l'on trouve un peu de vie. Alors, de la vie. Ok, parfait. Donc là, je suppose qu'on va aller au boss, hein. Quoi. C'est le bon. Allez, on est parti. C'est pas le boss. Bon, c'est presque le boss. Ça ressemble quand même à un truc. Un truc des bons. D'accord. Une petite fée, c'est vrai qu'on n'a pas vu de fée hein. Finalement dans le jeu si on devait faire un bilan ça aurait été cool d'avoir un genre je sais pas un bouclier différent en rap hein. L'utilité d'un autre bouclier parce que juste pour en avoir un autre c'est sympa pour le skin mais ça sert à rien et éventuellement peut-être des fées et compagnie mais bon en même temps toutes les fées ont disparu dans le jeu donc c'est sûr que c'est logique qu'on puisse pas avoir de fées pour se remettre de la vie ça c'est on est d'accord y a pas de problème donc en l'occurrence on a le lait qui fait office de fée même si ça ressuscite pas donc mais bon. Oui c'est le ça c'est en fait ça aurait pas été raccord c'est vrai s'il y a des donc bah on arrive à la fin. Ah bon bah on est obligé de tomber je suppose. Eh bien non j'utilise ma potion. Ah ouais non. Ok fallait pas faire ça. C'est assez moche. Ah oui, les fées sont là, d'accord. Ah oui, donc il y a bien des fées qui remettent de l'air. Ça, non, c'est logique. Alors, le... Ouais, j'ai pas eu le temps de lire, mais bref. Bon, c'est pas ça. Ok. C'est ce truc-là qu'on est censé taper, là. On dirait un boss de poop dans Mario Sunshine. Alors, l'arborage nick, c'est un monstre horrible, tu vois, le pouvoir des fées. Ouais, en gros, faut aller voir derrière lui, là. De toute façon, à mon avis, là, on va devoir tourner un petit peu avant de... Ah bah avec les oreilles. Ah, on peut pas avoir les oreilles de lapin. Non, c'était trop facile, c'est ça. Non, c'est parce que je veux. Enfin, à moins qu'il faille faire un truc du genre en mode. Non, ça marche pas non plus.
ça vient de... Parce que normalement, je suis bien. Ah, presque. Ah. Mais je vais crever en fait. Ok. Ah ouais, d'accord. Je crois que j'ai fait le tour. Donc là, si on fait le tour assez rapidement et que ensuite je fais genre ça, on arrive dans son dos. Ah bon, bah c'était l'idée, hein. C'est juste un peu embêtant cette histoire. Ça marche pas, putain. Ah ouais, à chaque fois, et puis je me rapproche trop des barrières qui enlèvent de la vie. Ok, donc là. Pas d'erreur possible. Bah. Putain, je comprends pas. Bah, c'était à prévoir. Après, j'ai pas de lait, donc c'est vrai que j'aurais pu. Ça aurait été plus simple avec un peu de lait. Non. Oui. On va continuer. Est-ce qu'on arrive au boss ou est-ce qu'on recommence tout? Ah non, on arrive là. C'est... Ah. Et... Voilà, ça passe pas. Bref. Alors du coup, il faut quand même qu'on... Ouais, bon, ça c'est comme ça. Allez, allez, les tours. Ok, alors là, du coup, comment il faut qu'on passe? Je suppose que c'est le même délire, il faut tourner, sauf que c'est plus dur. Ah, sérieux? Ouais, de toute façon, ça risque de être beaucoup plus difficile que ça. Les boss sont souvent en trois parties, de toute façon. Ok.
Donc on refait la même. Non, ça sert à rien ce que tu fais. Voilà. Ok. Hop. Donc là, on est bon. Et on refait encore une fois ça. Sauf que cette fois, bah, il va falloir sacrément se bouger le cul, voilà, sacrément. Ok, c'est pas fini. On continue. Non, toujours pas. Oh! Ok, bon, déjà, ça c'est fait. Ah, déjà, il y a des faits qui se sont échappés. Ils auraient pu me remettre de la vie. Bon, les gens on va se mettre un peu de vie. Ok, on fait ce qu'on peut, hein. Bah, non mais sans déconner, mais ça c'est, je comprends pas pourquoi on va se bloquer comme ça. On reprend. Gentiment. C'est parti. Hop. Voilà, mais ça passe. Okay, donc on a la première phase de terminer, encore devoir, mais ici il y avait des bombes à un moment donné, on va forcément en avoir besoin. En fait c'est pas ça que je voulais faire. Ok, bon, déjà on va se remettre de la vie, puis là on va crever juste sans avoir rien à faire. J'espère. C'est terminé. Enfin.
J'ai galéré, je sais pas si c'est normal, mais j'ai galéré de... Il nous aura fallu quand même un peu de temps pour le finir. Ça y est, c'est la cinématique de fin. Il va retrouver la vie. Parce que finalement, le truc de base, c'est que bah, Romojo est mort et puis les fées se sont barrées, c'est quand même chouette. Et là, on arrive. Ça ressemble du coup au bois qu'il y a au début de Majora's Mask, du coup. Sa fée est revenue, voilà. Epona arrive. Et voilà, c'est le début de Majora. C'est plutôt stylé. Et là, on va avoir le droit à un beau générique, j'imagine. Ah, pas encore. Là, on a le ranch. Kazé et Manoir. Bon, bah écoutez, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais. Bah, j'ai trouvé bien sympathique. Alors, ouais, pour ça, par contre, je suis pas capté. Y a des choses qu'on a sûrement pas découvertes encore. Hein. Mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé. Bon, y a quelques petits bémols ici et là, donc, bah, après, par exemple, ouais, tout le jeu est relativement facile et. Enfin, on va dire qu'en termes de difficulté, on a une courbe qui est très progressive et le donjon c'est vraiment le dernier donjon là, c'est vraiment le point difficile du jeu hein, surtout bah, quelques ennemis qui sont pas évidentes du tout, mais en même temps bon voilà, c'est toujours plus facile à dire une fois qu'on sait, on se dit que c'est évident mais dans l'ensemble très bien. Après voilà, c'est ce que je disais avant le boss, il y a 2-3 petits points peut-être qui ont fait de cool au niveau de l'équipement. Le jeu est assez court en soi, hein. Là je pense que j'ai mis un peu de temps à le finir, mais il m'a fallu peut-être au moins 3 heures, un peu plus de 3 heures, donc je pense que j'ai pas été hyper rapide, mais bon, ça va, c'est pas mal. Et là on se retrouve avec tout le monde, du moins assez frais, ouais, c'est normal. Ok. Enfin écoute, c'est cool, c'est un bon entre-deux, c'est... C'est cool, puis pour un fin de game, c'est quand même hyper bien foutu, enfin, c'est super chouette ça. Ils ont dû passer un temps fou à faire ça. Bon bah écoutez, voilà, à vous de me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez testé. Dites-moi aussi, d'ailleurs dites-moi si vous galérez pas à patcher le jeu de base. On pourra peut-être s'arranger. Je pourrais peut-être éventuellement vous filer la version que j'ai via un Discord, je sais pas. Et d'ailleurs j'ai toujours pas partagé mon Discord. Bah dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Après bon en soi c'est faisable. Bon la mienne est un peu buggée, vous avez vu hein. Le menu s'affiche pas correctement mais c'est pas grave, le jeu se fait très bien. Et donc c'est Aria qui disparaît sur l'arbre. La fin de Legend of Zelda, The Missing Link. Et bah écoutez, c'est un très bon jeu pour moi, très bon point, il y a le très très bon point dedans. Après bon je pense que je suis un peu facile à convaincre, le jeu est bien, on s'est bien marré, voilà, bon, en soi je suis satisfait, je chercherai même pas à lui donner une note, c'est même pas la peine, enfin, je trouve chouette. En tout cas voilà, si vous avez envie de le tester, n'hésitez pas. Maintenant que vous avez vu tout le let's play, peut-être que bon, vous n'avez pas envie de vous spoiler, que vous verrez ça qu'après, ou que vous voulez voir le jeu d'abord et puis vous le faire vous-même, enfin, faites ce que vous voulez en soi. Moi là, du coup, j'ai cherché une solution juste pour le dernier donjon. Et ouais. Sinon, en soi, plutôt intuitif. Ouais, y a vraiment le donjon, pas mal de. Qui a été bien pensé avec pas mal d'allers-retours, pas mal de petites énigmes.
Après, c'est vrai que j'aurais pu me faciliter la tâche. J'ai perdu beaucoup de temps avec le boss de fin parce que j'avais pas de quoi me remettre de la vie. J'aurais eu du lait concrètement, je me serais bien facilité la tâche, surtout que j'ai les deux bouteilles. Mais ouais, du coup, ouais, les petits points. Ouais. Ah, c'est vrai qu'une. Ouais, peut-être une ou deux zones en plus, ça aurait été cool. Ou alors. Dans le jeu de base, on a quatre bouteilles, là on en a deux. On n'a pas de fée, donc forcément on a besoin de moins de bouteilles. Hein. On aurait eu 4 bouteilles de lait, ça aurait été inutile, je pense. J'ai pas récupéré le dernier quart de cœur qui me manquait. Et sinon, ouais, je crois qu'on a quand même presque fait le tour, hein. C'est quand même pas mal. Et en même temps, voilà, c'est un peu comme quand on finit presque à 100% à Dominish Cap. Il y a un des Tringles qui dit t'as genre, je sais plus, t'as 98% des assemblages, c'est presque triste de finir le jeu à 100%, je trouve pas. Enfin, c'est un truc dans le genre, quoi. C'est vrai que c'est un peu triste de finir un jeu à 100% des fois, parce que bon, bah, t'as fait le tour, il y aura plus jamais de mystère, tout ça. Mais bon, ça m'a pas empêché de finir aucun F-Time à 100% quand j'en ai eu envie. Ouais. Et ouais, il y avait tellement de mystères qui planaient autour de ça, surtout que dans les magazines Nintendo, il y avait des intox, quoi. Il nous disait qu'on pouvait dégeler le Lakzora. Enfin, j'en ai déjà parlé, il me semble, ça en live. Et on pouvait avoir le cheval de Zelda, des trucs comme ça. Enfin, le truc impossible, parce qu'on ne peut pas battre le marathonnier, on ne peut pas avoir le cheval de Zelda. On ne peut pas dégeler le Lakzora. La seule façon d'avoir un truc qui ressemble à un lac décongelé, c'est de faire utiliser des glitches, en fait. Enfin, bref. Enfin, ouais, je pense que ça finit sur une note positive. Après, ouais, habituellement, on a des boss en trois phases. Là, on a eu un boss en deux phases, mais c'est vrai qu'il est assez chaud, sachant qu'on peut avoir que deux cœurs en plus max. Ouais, il a un niveau de difficulté qui est quand même assez correct. Enfin, bref. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous avez envie d'essayer, si vous l'avez essayé. Et puis, éventuellement, voir si vous avez d'autres versions de run hack à conseiller. Franchement, ce serait avec plaisir. Et je vous dis du coup à très bientôt. Salut tout le monde. Et puis voilà, on est reparti pour une nouvelle année avec le squat et en espérant que cette année se passe comme prévu. Prenez soin de vous et salut tout le monde.